Bonjour Kevin. Bonjour à tous, il est 17h heure sénégalaise, 18h heure française. Nous allons pouvoir commencer cette réunion. D'accord. Mais est-ce que tout le monde est là? Tu m'entends bien? Oui, parfait, tout fonctionne. Nous Ouais, est-ce que donc je avons disais... actuellement 5 participants connectés. Je vois Félicia, Préra, Ouais. Maxime Jean-Zac. Parfait, une personne est en train de nous rejoindre et on va pouvoir commencer d'ici une petite minute. D'ici 2, 3 minutes. Parfait. Par moi, sûrement, il y a Adama Tanguigora qui est là. Donc, je Oui, vois parfait. qu'ici, il fait moins d'une minute sur à ma montre. Voilà, on est là. Là, je vois Félicia. Oui, je suis là. Je vois Félicia, je vois Adama Tanguigora, je vois Sira. Peut-être Job, c'est écrit Job, ça doit être Sira ou c'est Sûrement, bon, je lui avais transmis le lien. le lien. J'ai transféré Donc, le lien j'ai vu que à, c'est ils sont écrit au Job. moins à 13 personnes, hein? Ils sont 13 ou 16 même. Oui, Maxime, Ouais, salut. tu m'entends? Oui, je t'entends bien, Ah, Maxime, maintenant. j'ai des Oui. problèmes de son, Salut, ouais. Maxime. C'est bon, ça Oui. marche. C'est bon maintenant, c'est bon, oui. Ah, Syrah, Je salut, reviens. Syrah. Oui. Ouais, bonjour, Monsieur Dion. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci, Monsieur Ah, Ba. je sais Ouais, donc vous êtes en connexion aussi. pas. Ouais, je suis C'est en Monsieur Ba, connexion. Je suis le connecté. directeur de l'éducation populaire. Ouais. Ça reste les autres établissements. Il fait. Ouais. Mais je pense que Kevin, Comment? dans une minute, tu peux démarrer en Très bien. attendant que les autres nous rejoignent. Parfait. Pour ne pas. Oui. Monsieur Diom, ça va? Vous allez bien?
Ça va, Monsieur Ba, ça fait plaisir là. Le plaisir est partagé. Oui, et Alassane, il va bien? Oui, ça va, il va bien. Il vient de sortir de mon bureau tout à l'heure. On parlait de la réunion D'accord. Et le ministre, il va bien? Oui, ça va, il va bien aussi. Oui, merci. Donc, bienvenue. Merci Donc, bien, merci. Kevin, c'est Monsieur Ba, le directeur de l'éducation populaire du ministère de la Jeunesse. Bah, Bonjour, bien, monsieur. enchanté, On va bonjour à parler tous. à la présentation après. Merci Oui. bien, merci. Bonjour à tous. Oui. Effectivement, je vous propose de commencer en me joignant au message de bienvenue d'Abdou Diome. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la tenue de cette réunion de coordination qui va démarrer et durer autour d'une heure et demie. Nous vous proposons qu'elle s'articule autour de l'ordre du jour suivant. Il y a trois points à traiter ensemble. Le premier va être un point d'information sur la création des clubs scolaires pour l'UNESCO. Le deuxième, qui sera sans doute le plus important et le plus structurant, est un état des partenariats entre établissements scolaires sénégalais et français, puisque tout l'intérêt est de créer des ponts et une dynamique. Et enfin, le troisième point va être dédié aux modalités d'organisation d'une caravane scolaire de sensibilisation et de découverte de la Grande Muraille Verte. Je suis Kevin Lognonnet, chargé des partenariats internationaux. Je vais m'occuper à la fois d'être la personne qui va prendre en note les minutes et vous remettre le plus rapidement possible un compte-rendu de cette réunion afin que voilà, vous puissiez avoir les idées claires et articuler au mieux les actions. Et c'est Abdou Diome qui sera l'animateur central de l'ordre du jour qui vous a été proposé à travers ces trois points. Merci pour votre attention. Merci. Merci, Kevin. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Abdou. Bonsoir, Bonjour. monsieur John. Donc, du coup, je voudrais rappeler ceux qui sont présents au cours de cette réunion. Et on peut faire la présentation individuelle avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, quoi. Donc chacun peut se présenter déjà, s'il vous plaît. Allez-y, hein. Allô, Ibou? Bonsoir. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, on t'entend. Voilà, donc c'est Félicia Et vous, Perra, comment proviseur du lycée de vous? Kounoun. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Boubacar Ba, directeur de l'éducation populaire et de l'engagement volontaire au ministère de la Jeunesse. Bonsoir, je m'appelle Siradio. Ça a coupé. Il y a un problème de connexion là. Merci. Ah, je m'appelle Sira Diop. Je suis professeur au lycée de Kounoun. Excusez-moi. Bonsoir, donc Maxime Janzac, je suis professeur de SVT au Collège Marengo à Toulouse et je suis coordinateur des établissements scolaires qui participent au projet du côté français. Bonsoir à tous, Oui. Kevin Lognonnet. Je me suis déjà présenté, chargé des partenariats internationaux à la Fédération française des clubs pour l'UNESCO et j'accompagne justement Abdou Diome dans la coordination de ce projet. Proviseur? Oui. Oui, Apno Tanjigora, le proviseur de Ah, Bakel, je le vois apparemment, d'accord. son micro est coupé. Oui. Bah, je le vois. Tandigora, apparemment, ton micro est coupé là, proviseur. Proviseur, Tandigora, vous avez un problème de micro. Je
Oui, proviseur, tu as un problème de micro, hein, tu dois te présenter, on ne t'entend pas. Mais tu as un problème de micro, c'est-à-dire qu'en fait, il faut activer ton micro. Oui, il faut activer le micro, hein. Je pense que c'est un problème de micro. Voilà, ça devrait marcher. Mais Kevin, il y a un problème avec Adama Tanjigora là. Si tu peux régler peut-être son. Il a un problème de micro là, apparemment. Oui, de notre côté, sur la table, les micros sont activés et ouverts, donc c'est possible que ce soit un souci qui vient de son poste ou peut-être de son téléphone. En tous les cas, il existe Non, mais une boîte de chat dans jusqu'à laquelle vous présent, pouvez on écrire. t'entend Si vous pas, avez hein? des problèmes de communication, n'hésitez pas à utiliser le chat du groupe. Comme ça, on pourra de toute façon lire attentivement vos messages. Adama, ça ne va pas, hein? Tu n'es pas encore connecté dans le truc, quoi. Tu as un problème de connexion. Oui. Non, ta connexion, elle est bonne, mais tu n'es pas dans le groupe, c'est-à-dire tu n'es pas encore entré dans le... Hein? On te voit, mais on ne t'entend pas. Tu as un problème de micro. C'est un problème de micro. Oui. Je vois que là, tu fais connexion à l'audio, ça cherche, mais ce n'est pas encore connecté à l'audio. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est mis dans Oui. ma réunion en ligne, quoi. Mis dans Et... ma réunion en ligne. Oui, mais... Alors, mis dans ma réunion en ligne, je me fous. On est français, on ne de Allô? Parfait. Ah, voilà. Est-ce que vous me recevez là? Oui, on te reçoit maintenant. Oui, c'est bon. Oui, Très bien, là, merci beaucoup. c'est... Oui, c'est Suleiman. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Donc, je pense que maintenant, Kevin, on va démarrer très rapidement. Me recevez? Oui, parfait, Adama, merci. maintenant tu nous entends? Adama Tanjigora. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Donc, Kevin? Allô, Monsieur Diom? Oui, je pense que ça va, hein, on entend maintenant. Donc, c'est bien. D'accord. D'accord. Monsieur Diom, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, j'ai eu aussi quelques soucis pour la connexion. Je me suis reconnecté. D'accord. Donc Voilà. vous pouvez inspecteur, vous pouvez vous présenter également. Voilà, donc merci à tous. Donc, c'est inspecteur Salif Sidibé. Je suis inspecteur en sciences de la vie et de la terre au ministère de l'Éducation nationale. Par ailleurs, je suis le coordonnateur des blocs scientifiques et technologiques. Récemment, j'ai été nommé point focal éducation au développement durable dans le cadre d'action de l'UNESCO de 2030.
Donc, on est en train de mettre en œuvre une initiative nationale en matière d'éducation au développement durable. À ce titre, on a participé à la COP 28. On a aussi participé à la réunion mondiale sur l'éducation au développement durable qui s'est tenue à Tokyo au mois de décembre, donc entre le 18 et le 20, à l'Université des Nations Unies. Voilà, donc brièvement, voilà, nous sommes en train, avec l'UNESCO, de finaliser notre initiative nationale qui doit être mise en œuvre au sein du ministère avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Hygiène publique aussi et partie prenante. Merci. Merci beaucoup, inspecteur. Je vous rappelle que donc c'est le représentant du directeur de l'enseignement moyen secondaire général et du ministre de l'Éducation nationale. Et du coup, donc, je pense que il y a Souleymane et Tandjigora qui peuvent se présenter maintenant. Proviseur. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, proviseur. Oui, ça va. Dans le groupe. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien maintenant, proviseur. Tu peux te présenter et ce que tu représentes au niveau du projet. Voilà, bonjour tout le monde. Je suis Adama Tandjigora, proviseur du lycée Waoundé Ndiaye de Bakel. Alors donc, je coordonne le projet ici à Bakel. Bakel a une particularité par rapport à ce projet parce que d'habitude, c'est un seul établissement qui représente soit le département, soit une localité quelconque. Mais là, nous sommes un groupe d'établissements, un groupe de trois établissements. Le lycée Wao, bien sûr, le CM Bakel Commune, le CM Grim Pagé et puis le lycée Wao Ndiaye. Donc, je coordonne les activités pour les trois établissements. Merci. Merci. Oui, je pense que donc tout le monde, Souleymane Thiam. Souleymane, tu nous entends? Souleymane, tu as coupé ton micro. Oui, je vous entends très bien. D'accord, donc tu peux te présenter ce que tu représentes dans le projet, s'il te plaît. Merci. Bon, bonjour à tous. Bon, moi, c'est Souleymane Thiam. Bon, je suis un jeune activiste du climat et aussi le jeune coordinateur de Yungo. Bon, Yungo, bon, c'est le groupe des jeunes et des enfants bon, sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. D'ailleurs, je coordonne tout ce qui est programme pour le changement climatique pour les jeunes ici au Sénégal. Et aussi, bon, je suis volontaire au niveau du projet. Développement durable et éco-délégué, dont les jeunes seront représentés à travers les activités que nous menerons et à travers le projet bon, que nous portons pour pouvoir aider à la réussite de ce projet. Et aussi, bon, je représente aussi encore en même temps le lycée de Kassak. Il y a le proviseur Ngom qui devrait être là, mais peut-être pour des problèmes de soucis de connexion, il n'est pas là. Et là, dans ce cas, bon, je suis obligé de le représenter pour pouvoir encore l'informer à la réunion. Et aussi une chose, je suis aussi le coordinateur national de l'initiative Jeunesse de la CENSAT avec le ministère de la Jeunesse du Sénégal. Ok, je vous remercie. Merci. Merci, Souleymane. Je pense que, donc, Kevin, on peut démarrer maintenant sur le premier point de l'ordre du jour. Parfait. Merci à tous pour votre attention. Effectivement, nous avons aujourd'hui trois points à voir ensemble à l'ordre du jour. Et le premier est un point d'information sur la création des clubs scolaires pour l'UNESCO. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui est très bien placé pour m'accompagner, me compléter après la brève présentation que je vais faire concernant les clubs pour l'UNESCO. Et comme vous le savez, les clubs UNESCO doivent être normalement des associations loi 1901, mais en milieu scolaire, les clubs UNESCO peuvent être rattachés directement
au Sénégal au gouvernement scolaire. Parce qu'en fait, il y a la Commission nationale pour l'UNESCO et il y a la Fédération sénégalaise des clubs pour l'UNESCO. Et pour être très pratique, au niveau de vos établissements respectifs, pour mettre en place un club UNESCO, quand vous le rattachez au niveau du gouvernement scolaire, mais la mission, c'est d'être à côté du ministre de la Culture. Et comme au niveau du gouvernement scolaire, il y a des ministres, vous pouvez rattacher directement le club UNESCO au ministère de la Culture, comme je l'ai dit. Et ces activités, comme son nom l'indique, c'est une éducation, culture, science, mais parler de tout ce qui est objectif du développement durable dans l'esprit de créer une paix au niveau international. Parce que comme le dit dans l'acte constitutif au niveau de la charte, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Et les clubs UNESCO doivent constituer des éléments relais pour des cours au civisme, des cours à la citoyenneté, des cours à une éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité internationale, mais en extramuros. Donc, le club UNESCO peut aujourd'hui travailler étroitement avec les 17 ODD fixés. Le club UNESCO peut travailler au niveau de l'environnement. Le club UNESCO peut faire des activités culturelles, généralement ce qui se faisait au niveau des FOSCO. Les FOSCO, c'est les foyers socio-éducatifs traditionnels. Bon, donc ils sont aujourd'hui gérés par les gouvernements scolaires. Voilà. Donc, du coup, un club UNESCO, c'est très simple. C'est comme le club environnement, c'est comme le club littérature, c'est comme le club anglais, mais avec des objectifs très clairs qui entrent dans le cadre de la culture. Donc, et si on dit culture, on pense surtout aux activités telles que le théâtre, les activités pédagogiques telles que, par exemple, ce qu'on faisait au Sénégal avant, c'était d'organiser des génies en herbe. Ceci peut être pris en charge carrément par les clubs UNESCO, faire des concours de littérature, faire travailler sur les thèmes de la francophonie, travailler sur la solidarité internationale, je l'ai déjà dit, avec les échanges interculturels entre établissements scolaires. Si je prends un cas concret, le cas du club UNESCO aide aux jeunes de Hombol, dont je suis le coordinateur. Ce club UNESCO aide aux jeunes de Hombol avait déjà mis sur place ce que l'on appelle un centre social communautaire. Un centre social communautaire qui s'appelle le Ciel, dans lequel il y avait plusieurs activités qui prenaient en charge toutes les tranches d'âge. On a mis sur pied une école maternelle. Aujourd'hui, l'école maternelle a été lauréate du Forum de Paris en 2021 et nous avons des partenaires en Bretagne qui vraiment nous accompagnent dans la construction des cases classes bioclimatiques pour l'école maternelle de 3 à 5 ans pour faire la préscolarisation des enfants. Ça, c'est pris le porteur de ce projet, c'est le club UNESCO Aide aux jeunes. Et il y a également des activités de soutien scolaire que nous organisons au niveau de ce centre d'insertion, d'information, d'éducation et de loisirs. L'acronyme, c'est le CIEL. C'est le club UNESCO Aide aux jeunes qui a mis ça sur place. Et si vous entrez dans le YouTube, vous allez voir que l'inauguration a été faite parce que ça a été financé à hauteur de presque beaucoup de millions pour construire un bâtiment central. Aujourd'hui, nous sommes sur la construction de l'école maternelle. Il y a tout ce qui est soutien scolaire qui se fait au niveau du centre d'insertion de Hombol avec le programme Élève aide élève. Il y a un encadrement. On a pris en charge les femmes avec l'alphabétisation des femmes, mais qui gèrent également un projet maraîcher. Donc, il y a un potager au niveau pour nourrir les enfants qui sont dans l'école maternelle. Et on fait les suivis aussi bien au niveau pré- et post-natal, mais également un suivi nutritionnel des enfants. Tout ça, c'est pris en charge par le club UNESCO Aide aux jeunes. Et du coup,
Si vous avez un club UNESCO au niveau de l'école, déjà, ce que fait, je prends un exemple également, le cas de Syrah, qui est la prof encadrante des enfants au niveau du lycée de Kounoun. Et elle fait des activités culturelles avec les enfants, en échange avec Maxime, qui est présent ici également, qui est le coordinateur. Ils ont pas mal d'activités. Toutes ces activités s'inscrivent directement dans le cadre vraiment des objectifs de la mission même des clubs UNESCO. Et du coup, pour être très concret, il suffit simplement au niveau de votre école qu'il y ait un prof encadrant comme à Kounoun-Sira qui travaille en relation avec le proviseur, le chef d'établissement, avec le gouvernement scolaire. Vous mettez sur pied un club UNESCO pour prendre en charge les aspects environnementaux. Et l'environnement veut tout dire. Les aspects environnementaux, les aspects culturels, les approches pédagogiques extramuros. Et pour cela, le projet que nous menons, nous, peut être pris en charge par les clubs UNESCO parce que ce projet s'appelle les 5C. Pour dire quoi? Créer des classes pour des cours, des chemins du civisme et de la citoyenneté. Ce sont les 5 C. Le premier C, classe. Le deuxième C, cours. Le troisième C, chemin. Le quatrième C, civisme. Et le cinquième C, citoyenneté. Et ces 5 C vont permettre de faire une éducation à la citoyenneté mondiale, à la citoyenneté tout court, mais également au civisme. Ce que nous trouvons aujourd'hui, que ça fait défaut au niveau de nos établissements scolaires. Pourquoi je le dis? On a trop laissé nos jeunes à la merci des médias classiques, à la merci des fake news, à la merci des réseaux sociaux. Et du coup, nous nous sommes dit qu'il faut changer aujourd'hui de stratégie et faire appel à d'autres channels de communication. Parce que les élèves, déjà, en général, Oh, s'ils n'ont maintenant. pas. Oui. Donc, s'il n'y a pas une bonne éducation au civisme et à la citoyenneté, c'est ce qui crée des dérapages. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout un peu, il y a d'autres qui servent sur donc ce manque de formation des jeunes pour installer un radicalisme, pour installer des violences au niveau des écoles. Nous nous sommes dit que nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, c'est vrai, nous sommes des enseignants, mais nous devons être également des éducateurs. Si on ne peut pas être des substituts parentaux, faire de telle sorte que ce que nous avons reçu, nous, lors de notre formation, qu'il y ait une approche vraiment pédagogique extramuros, accompagnée par les enseignants, moi, je pense que pour cela, il faut d'autres créneaux. Et nous proposons ces 5 C. En collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, pour voir concrètement comment on peut opérationnaliser ça au niveau du terrain. Et je disais d'ailleurs au directeur de l'Éducation populaire que nous avons le terrain. Déjà, le fait de regrouper 12 établissements autour d'un projet qui est I2ED, interscolaire éco-délégué pour une éducation au développement durable. Nous avons du terrain, mais nous n'avons pas tous les moyens. Et aussi bien au niveau de la fédération, nous devons participer à cette recherche de moyens. Au niveau du ministère de la Jeunesse, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au niveau des fondations privées, des bailleurs et des politiques publiques, moi, je pense que si cette mayonnaise-là prend, que si cette équipe-là est mise sur pied, nous devons pouvoir participer à cette éducation extra-muros de nos jeunes à travers les clubs UNESCO. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et du coup, donc, pour créer un club UNESCO, rapprochez-vous du gouvernement scolaire. Je pense que c'est la meilleure solution au niveau du Sénégal. On le fait en France. C'est un autre créneau parce que le président de la Fédération française peut-être ne va pas tarder à nous rejoindre. Et il est bien placé pour parler de cela. Je vous ai envoyé tous les documents sur lesquels je ne vais pas revenir pour économiser un peu le temps. Et du coup, pour le club UNESCO au niveau de vos établissements scolaires, ça peut être un club comme les clubs traditionnels, le club de littérature, le club d'anglais, etc. Mais ce sera un club UNESCO.
avec comme esprit, je vous l'ai déjà dit, les objectifs allant vers la paix, le civisme, la citoyenneté, mais pour permettre également à ces jeunes de développer des journées thématiques sur lesquelles nous allons revenir. Et ces journées thématiques vont permettre à nos enfants, à nos jeunes, par moi je fais partie de ceux qui ont confiance aux jeunes. Sincèrement, j'ai confiance aux jeunes, mais on ne leur donne pas trop la parole. Alors qu'au Sénégal, on ne peut pas avoir une population de plus de 60% de jeunes et décider à leur place. On peut les accompagner, on peut les encadrer, mais je pense que les écouter, les entendre, pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport aux enjeux actuels, je pense que c'est important. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des tunnels de communication entre les jeunes Français et les jeunes Sénégalais. Parce qu'ils veulent nous faire comprendre à des choses qui ne tiennent pas la route pour moi. Il n'y a pas de problème entre les peuples français et africains. Il n'y a pas de problème entre les Français et les Sénégalais. Mais il peut y avoir peut-être des objectifs qui sont différents au niveau de nos gouvernants. Et c'est pourquoi moi, ce que je pense, c'est de donner la parole aux jeunes, d'où l'installation de ces salles de visioconférence, que la fédération prend vraiment est consciente qu'il faut absolument qu'il y ait ces salles de visioconférence au niveau des différents établissements du Sénégal, régler le problème de la connexion pour permettre aux jeunes de se parler et utiliser également d'autres outils de communication, tels que les journaux. Et après avoir développé au bout d'un mois ou deux mois une thématique, faire un résumé par les enfants, révisé par les adultes, les professeurs encadrants, et ça va sortir au niveau du site de la Fédération, ça va sortir au niveau du site de l'UNESCO, ça va sortir au niveau des sites des différents établissements, et ça peut être même sous forme de journal local. Moi, je pense que si nous y sommes avec les clubs UNESCO, la mise sur pied d'un club UNESCO en vaudra vraiment l'enjeu par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, je ne vais pas être trop long. Je vais laisser la parole peut-être à l'inspecteur Salif Sidibé, qui est également au niveau de la COMNAT, la Commission nationale pour l'UNESCO du Sénégal. Moi, je suis membre en même temps de la Fédération sénégalaise des clubs pour l'UNESCO et membre de la Fédération française des clubs pour l'UNESCO. Ayant mis en France sur pied deux clubs UNESCO, le club UNESCO Diapalé-Occitanie-Sénégal, avec les acteurs et actrices des chemins de la citoyenneté que l'on appelle ASP, Association Essence Solidarité Partage France-Sénégal en Bretagne, alors que Diapalé, c'est en Occitanie. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans en Occitanie. Donc, maintenant, je pense que avec ça, Kevin, on peut donner la parole au président d'abord, avant que les deux coordinateurs prennent la parole, parce qu'eux, ils vont surtout intervenir sur la mise en relation des établissements scolaires et sur le projet. Mais pour les deux institutions publiques, donc, je veux citer le ministère de la Jeunesse, représenté par le directeur de l'éducation populaire, et le ministère de l'Éducation nationale, représenté par le point focal des EDD, je pense qu'on peut leur donner la parole, les entendre par rapport aux politiques définies par le gouvernement avant de revenir sur les établissements scolaires et reste à votre disposition éventuellement s'il y a des questions ou des suggestions ou des compléments d'informations par rapport à ce bref exposé pour dire simplement que vous connaissez les clubs UNESCO, c'est comme les clubs traditionnels, mais avec des objectifs autres que peut-être ce que faisaient les clubs traditionnels. Je vous remercie. Kevin? Merci. Est-ce que les deux représentants institutionnels souhaitent réagir? Oui, je vais commencer. Je pense que peut-être je suis le dernier. Je suis le dernier à rejoindre le groupe. En tant que membre désigné par la direction, je pense que j'étais en contact étroit avec le directeur de l'enseignement moyen secondaire général. C'est lui qui m'a donné toute la documentation liée à ce programme et m'avait demandé de prendre contact avec M. Diom pour voir un peu comment travailler avec vous dans ce cadre-là.
Il faut savoir que depuis l'année dernière, je suis point focal éducation au développement durable. Parce que simplement, je gère au ministère de l'Éducation nationale un projet d'éducation environnementale qui est un projet panafricain. Le projet est développé aussi au Maroc, au Congo, au Rwanda, en Namibie et au Gabon. C'est un projet soutenu par une fondation qui se trouve en Afrique du Sud, Sabine Plattner African Charities. Et c'est un projet quand même qui veut renforcer les jeunes du Nord et du Sud, et des jeunes du Sud, mais les mettre en réseau grâce à des réseaux sociaux, les groupes Instagram, WhatsApp et autres, Facebook, pour essayer un peu ensemble de lutter dans le cadre du renforcement de la biodiversité, de la conservation. Et donc, je coordonne ce projet. Et à ce titre, j'ai été chargé par le ministère de coordonner toutes les initiatives en matière d'éducation au développement durable, parce qu'on avait vu que sur le terrain, il y avait beaucoup d'initiatives, comme l'initiative qui est portée par M. Diom. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'au niveau du ministère, on ne capitalise pas les interventions. Parce que souvent, ces interventions vont directement au niveau déconcentré. Alors que dans les ambitions du ministère, je pense que l'éducation et le développement durable occupent une place extrêmement importante. C'est pourquoi, à un moment donné, on a eu saisi l'opportunité de ce cadre d'action de l'UNESCO pour mettre en place quand même cette unité d'intervention autour de l'éducation. Mais avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère aussi de l'hygiène publique. Et on a eu à tenir au mois de novembre un forum dédié au ministère de l'Environnement, où on avait même invité aussi le ministère de la Jeunesse. Malheureusement, il n'y a pas eu de représentant du ministère-là, parce que nous sommes dans des actions vraiment coordonnées, n'est-ce pas, pour quand même toucher tous les ODD à travers l'éducation au développement durable. Donc, c'est très heureux cette initiative. Et comme l'a dit M. Diom aussi, le temps est là. Faire des clubs, des écoles UNESCO, avec des clubs UNESCO, en entrant par le gouvernement scolaire, je pense que c'est aussi quand même une option assez intéressante, dans la mesure où ces gouvernements scolaires ont été mis en place pour assurer une participation citoyenne des enfants, les aider, les encadrer, avoir les postures qu'il faut. Et comme il l'a dit, le champ a été laissé et des comportements non voulus sont en train de prendre le pas sur le comportement qui aurait dû être un comportement du citoyen. Donc, c'est très heureux d'avoir cette intervention. Je commence à lire les documents, certes, et je sais qu'avec l'appui de la Commission nationale de l'UNESCO, qui aussi a travaillé à travers des écoles, des réseaux des écoles associées, on peut étendre le réseau assez facilement. Parce que je pense que nous pouvons impliquer beaucoup plus d'écoles que cela, parce que le cadre existe déjà. Si on veut entrer par les gouvernements scolaires, qui sont déjà des organes qui sont mis en place et qui sont déjà fonctionnels. Donc voilà ce que je voulais dire, pour ne pas être très long, et laisser peut-être les autres qui ont une vision beaucoup plus systémique du projet, n'est-ce pas, éclairer, nous éclairer et dégager peut-être une feuille de route pour les prochaines interventions. Merci, merci à vous. Merci beaucoup, inspecteur Kevin. Je pense qu'on peut laisser la parole à Monsieur Ba, directeur de l'éducation populaire. C'est ça, les Merci beaucoup, Monsieur Dion. Monsieur Ba. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Ça M. bombe Soumé de n'importe avec qui on a non. déjà Ça eu bombe de un travail n'importe au niveau du ministère de la Jeunesse. Donc, quoi. je me réjouis également de participer à ce panel. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi. Je viens de prendre le train en marche. Comme vous le savez, c'est le directeur général de la jeunesse, M. Alassane Diallo, qui nous a mis en contact. Bon, je suis vraiment tout à fait heureux de participer à ce panel d'échange concernant le club UNESCO. Ben, au niveau du ministère de la Jeunesse, je vois qu'on a déjà beaucoup de points de convergence.
ce qui fait que c'est un projet que je trouve extrêmement important, en tout cas au niveau, en tout cas au niveau, en tout cas au niveau de ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de la Jeunesse. Parce que comme vous le savez déjà, la direction que j'ai l'honneur de diriger a pour mission principale de contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes à travers l'éducation populaire. Et quand on parle d'éducation populaire, c'est un concept assez élastique, assez vaste. Il y a l'éducation à la santé, l'éducation à l'environnement, au développement durable. Voilà, tout ça peut entrer dans Ça le cadre de l'éducation populaire. En plus, au-delà de l'éducation, de la construction de la citoyenneté, du civisme, il y a également un volet, un aspect volontariat, promotion du volontariat. Quand on parle de volontariat, les actions qui sont visées dans le cadre de ce projet, c'est des actions qui doivent être déroulées dans le cadre du volontariat et du bénévolat, si je peux m'exprimer ici. Au-delà de ça, au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons déjà un programme qui est déjà ficelé, intitulé Programme national d'éducation à la citoyenneté. Bon, dans lequel programme, il y a plusieurs activités qui sont prévues, parmi lesquelles, M. Diem en a déjà parlé, des classes de formation au niveau des CEDEPS. Les CEDEPS, c'est le Centre départemental d'éducation populaire et sportive. Déjà, il est prévu des classes sur la citoyenneté. Mais au-delà de ça également, il est prévu d'élaborer un guide sur le civisme et la citoyenneté. Bon, pour vous dire qu'on est vraiment en phase avec ce projet-là. Donc, ceci étant également, comme vous le savez, au niveau du Sénégal, au-delà des CEDEPS qui sont les structures de jeunesse au niveau des départements, le ministère a un vaste chantier de construction de nouvelles infrastructures appelées les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, qui sont prévues dans les 46 départements du pays. Actuellement, il y a deux qui sont fin prêts. Celle de Kaolack, la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Kaolack, qui est déjà prête et qui a même été inaugurée par son excellent président de la République. Il y a également la maison de la jeunesse et de la citoyenneté de Thiaoune qui est prête et qui sera bientôt inaugurée, et d'autres maisons qui sont très en avance. Donc, au niveau de ces maisons-là, il y a il y a des sections. Et parmi les sections, une section qui concerne spécifiquement la culture, la citoyenneté, le civisme. Après, cette section est appelée esprit créatif. Donc, on doit faire la promotion de la culture, le théâtre populaire, tout ça. Et on va recruter des jeunes qui seront amenés à animer ces sections-là. Bon, déjà, moi, j'entrevois beaucoup de points de convergence. Mais au-delà du cadre scolaire, je l'ai dit, hein, c'est une approche pédagogique extramuros. Et c'est ce que nous sommes en train de développer au niveau du ministère de la Jeunesse. Toutes les activités que nous développons, nous les développons dans ce cadre-là, dans le cadre extramuros. C'est des activités souvent de plein air, pendant les vacances, dans les camps, dans les chantiers de jeunes, bon, voilà, dans les centres aérés. Ce sont ces activités-là que nous sommes en train de développer. Je pense que déjà, au-delà des clubs qui vont être au niveau des établissements scolaires, à proprement parler, ce serait bien quand même qu'on voie comment, à partir des jeunes qui sont au niveau des CEDAPS, au niveau des maisons de la jeunesse, comment les mettre à contribution pour qu'ils puissent participer pleinement à ces activités-là, quoi, indépendamment des clubs, quoi. Parce que les clubs, c'est au niveau scolaire, quoi, si j'ai bien compris. Mais maintenant, au niveau du côté du ministère de la Jeunesse, peut-être du ministère de la Culture, nous, on est dans le cadre purement extramuros. Ce serait bien qu'on voit les points de convergence pour la mise en œuvre des activités de club UNESCO, quoi. Et déjà, moi, je pense que avec l'animation des maisons de la jeunesse, ce serait bien. Je suis déjà en train de réfléchir à ça. Comment trouver des clubs carrément qui interviennent dans le cadre de ces maisons de la jeunesse et de la citoyenneté pour animer la section Seine-Art. La section s'appelle Seine-Art.
mais dans le projet Esprit Créatif. Donc, on a besoin de les animer. Et à partir de ces clubs-là, même les clubs éduqués, des clubs des établissements peuvent être mobilisés pour aller animer ces sections, la section scène au niveau de ces maisons de la jeunesse. Bon, c'est des réflexions qui me viennent comme ça à l'esprit, puisque je viens de prendre en marche ce projet-là. Donc, voilà, en attendant de maîtriser davantage les contours de tous ces projets. En tout cas, marquer en tout cas mon ouverture et ma disponibilité à collaborer dans le cadre de la réussite de cet important projet de la citoyenneté, du civisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur. Kevin? Bien, merci à tous pour vos réactions. Je vous propose peut-être de passer au deuxième point qui est inscrit aujourd'hui à notre ordre du jour. Vous recevrez un compte-rendu. Je suis en train de le réaliser en écoutant les interventions de chacun. Et le deuxième point est un état des partenariats entre établissements scolaires sénégalais et leurs homologues français. Merci. Voilà, je vais donner la parole peut-être directement à Maxime et à Félicia. Parce qu'en fait, comment on a structuré au niveau du Sénégal, tous les établissements scolaires aujourd'hui sont dans un groupe WhatsApp et sont coordonnés par la proviseure du lycée de Kounoun. Au niveau également français, tous les établissements scolaires impliqués dans ce projet sont coordonnés par le collège Marengo. Mais ce n'est pas un hasard si ça s'est passé comme ça. En fait, je suis co-initiateur, Maxime est co-initiateur de ce projet, mais surtout que c'est parti à partir d'un partenariat très actif entre le collège Marengo et le collège de Kounoun, entre la professeure encadrante Sierra Diop qui est présente et Maxime Jean-Jacques qui ont vraiment un dynamisme qui a fait qu'on a décidé d'étendre ce partenariat au niveau national. Donc, je vais passer la parole à Maxime en premier lieu. Après, Félicia va prendre la parole avant de venir sur les propositions d'appariement maintenant des lycées. Il faut que chaque lycée français ait son partenaire sénégalais, pour que les échanges se fassent certainement de façon bilatérale avant de se retrouver dans un multi-lycée, multi-acteurs entre les deux pays, la France et le Sénégal. Je vous remercie. Maxime, à vous la parole. Merci, Labdou. Donc, effectivement, moi, c'est un projet que je porte déjà depuis 2017. En 2017, j'ai eu la chance de rencontrer Abdou pour la première fois et il m'a permis de me mettre en relation donc, avec le lycée de Kounoun donc, pour un premier partenariat. Et tout de suite, effectivement, comme tu l'as dit, Abdou, ça a bien accroché entre les deux établissements puisque le chef d'établissement, donc Félicia Préra, a été très active pour lancer le partenariat. De notre côté aussi, dans mon établissement, le chef d'établissement de l'époque, Madame Amig, était aussi très dynamique et souhaitait vraiment s'impliquer dans ce projet. Et ensuite, eh bien, au niveau des professeurs, dont moi-même et Sira Diop, donc, qui est là, présente là aussi ce soir, on a commencé à initier un échange entre nos élèves autour de sujets donc, en relation avec l'environnement. Donc, dans un premier temps, c'était des sujets autour de l'environnement, mais très vite, évidemment, on est parti aussi sur des sujets, comme tu l'as dit tout à l'heure, autour de l'interculturalité, parce que ben, on ne peut pas simplement parler de sujets sans se connaître. On est deux pays différents, avec sa culture, avec ses traditions, et c'était important aussi voilà, de connaître l'autre pour pouvoir échanger avec lui sur des sujets très importants. Des sujets mondiaux, comme tu l'as dit, donc l'environnement, hein, c'est quelque chose de la préservation de la biodiversité, comme le disait aussi l'inspecteur d'académie de SVT. Donc tous ces sujets nous tenant très à cœur. En France, depuis déjà assez longtemps, le problème de l'EDD est quelque chose qui est mis en avant au niveau français.
Et depuis maintenant 4 ans, tous les établissements scolaires français sont obligés d'élire des éco-délégués. Donc c'est une obligation institutionnelle. Et évidemment, ben, ces éco-délégués, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi pour faire vivre quelque chose et effectivement créer des clubs UNESCO, faire des clubs environnement dans les établissements et les faire échanger avec d'autres établissements qui travaillent aussi sur ces problèmes d'environnement, de biodiversité, etc. C'est quelque chose de très important. Voilà, donc le partenariat, il a commencé en 2018 avec le lycée de Kounoun. On a échangé, alors. Ça a bien fonctionné parce qu'on a tout de suite mis en place des binômes d'élèves. Donc ça, c'est très important que les élèves s'identifient à un partenaire de l'autre côté. Comme ça rend l'échange plus concret et plus pertinent d'avoir un correspondant, voire plusieurs correspondants. Donc on est parti là-dessus et très rapidement, eh bien, on a échangé des lettres, des courriers, des messages par vidéo, beaucoup de capsules vidéo. Alors on l'a déjà dit, je crois, mais la difficulté, alors le mieux, ce serait de pouvoir échanger en temps réel, hein, avec les groupes d'élèves. Le problème, c'est la connexion, c'est assez difficile. Les établissements ne sont pas tous équipés de la même manière. Certains ont plus de matériel que d'autres, donc ça peut faire partie des points qui vont être peut-être portés par l'UNESCO, notamment avec des financements peut-être de salles ou de matériel qui va permettre d'améliorer les échanges en temps réel. Mais on peut commencer petit en faisant comme nous on a fait, des échanges voilà, de courrier, par WhatsApp, s'envoyer des mails, des capsules vidéo qu'on enregistre, qu'on envoie, on regarde, puis on répond par une autre capsule vidéo. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ça permet de garder des traces aussi de ce qui est fait au fur et à mesure du travail, donc de pouvoir le valoriser, parce que c'est important aussi de valoriser ce qui est fait, de montrer aux autres établissements aussi. Et puis, si on veut impliquer d'autres personnes, d'autres établissements de projet, c'est bien d'avoir peut-être aussi de montrer ce qui s'est fait. Voilà, donc nous on a tout, enfin sur le site de mon collège, on a toute une page dédiée à ces partenariats. Alors mon collège a souhaité ensuite amplifier ce partenariat et donc on a en 2020 adhéré à un nouvel échange avec un autre établissement qui est le collège de Ranérou, qui est représenté ce soir par Gilbert Sagna, qui est ici avec nous aussi, avec lequel donc j'échange aussi. Alors l'intérêt, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec Gilbert et son établissement, parce que son établissement se trouve sur la muraille verte, et que notre sujet, notre thème principal d'échange, c'était justement cette muraille verte au Sénégal, la mise en place de ce mur vert, de ce mur végétal, cette reforestation au niveau du Sénégal. Et son établissement est vraiment impliqué dans ce projet il est dans la zone de la muraille verte. Donc on a associé évidemment le lycée de Kounoun. Donc dans un premier temps, c'était un partenariat trois établissements. Et depuis 2021, se rajoute donc le lycée de Rombol. Donc, Rombol, ça fait un moment que je travaille avec Rombol aussi, mais plus avec le Centre Ciel dont tu as parlé Abdou tout à l'heure. Mais on souhaitait aussi donc travailler avec un établissement scolaire, et c'est le collège donc de Rombol. Et donc voilà. Donc là aussi, on a mis en place ce partenariat avec cet établissement. Donc le collège Marengo de Toulouse travaille maintenant avec trois établissements au Sénégal. Donc et on essaie d'échanger entre les différents établissements à travers donc des binômes d'élèves. Alors, ce qui a fait que ces partenariats fonctionnent bien, d'abord, c'est que les gens qui ont souhaité s'impliquer, ben, donnent de leur temps. Monsieur Ba parlait tout à l'heure de volontariat. Effectivement, c'est important, le volontariat. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc, il faut des personnes, voilà, qui ont envie de le faire, qui ont envie de s'investir. Et ensuite, donc, il faut que ce soit quand même structuré. Donc, au niveau des établissements scolaires, il faut qu'il y ait un cadre. Alors, le cadre, il passe d'abord par le chef d'établissement. Et effectivement, pour que le partenariat fonctionne, il faut que le chef d'établissement soit impliqué et soit au courant. Ensuite, il faut qu'il y ait un professeur référent
Donc ça aussi, c'est très important. Je pense que, alors ça peut être un professeur de SVT, mais ça peut être, par exemple, un professeur aussi d'histoire géographie, d'anglais, peu importe, de français, hein. Donc c'est important qu'il y ait un référent. Et même, si c'est possible, même une équipe qui travaille sur le projet. Nous, par exemple, au collège, on a plusieurs professeurs qui travaillent sur le projet, mais avec un référent. Bon, le référent, c'est moi, mais ça empêche que d'autres professeurs s'impliquent, font des vidéos, font un travail de recherche, etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Je l'ai dit aussi, donc, on ne peut pas se cantonner juste à des échanges sur certains sujets. Il est important aussi de connaître l'autre et on organise très régulièrement, nous, dans notre établissement, des moments pour faire connaître le Sénégal, pour faire connaître le partenariat, pour faire des actions solidaires. Abdou Diom parlait tout à l'heure de l'école bioclimatique, les cases bioclimatiques qu'il est en train de construire au centre SIAL à Rombol. Notre établissement a participé financièrement en faisant un cross solidaire. Donc, les enfants ont récolté de l'argent et cet argent est investi dans le centre SIAL, dans la construction de l'école maternelle. Donc, c'est vraiment un soutien. Donc, ce n'est pas qu'un échange voilà, virtuel, c'est aussi une implication financière dans les partenariats. Mon établissement a envoyé aussi beaucoup de matériel, des livres, des microscopes, dont on a fait bénéficier certains établissements avec qui on est partenaire. Voilà. Alors, on aimerait bien amplifier ça, développer ça, mais évidemment, il faut que tout ça se soit structuré. Et effectivement, l'appui des clubs UNESCO, c'est quelque chose de très important, je pense, parce que d'abord, il y a un réseau. Il y a un encadrement qui est sérieux. Et tout de suite, quand on cherche des appuis, par exemple, quand on envoie du matériel, nous, on a utilisé l'armée française. On est passé par l'armée française qui a convoyé notre matériel jusqu'au Sénégal. Et avoir des appuis au niveau des ministères, au niveau de l'UNESCO, évidemment, c'est sérieux et ça permet que le matériel arrive à bon port et soit distribué vraiment aux personnes à qui il est destiné. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, les échanges entre jeunes, effectivement, comme l'a dit Abdou Diom, c'est très important de pouvoir mettre en relation directement les jeunes entre eux, de les faire échanger. Notre souhait, évidemment, à nous, de notre côté, ça serait de pouvoir amener des élèves français au Sénégal pour qu'ils puissent rencontrer directement sur le terrain leurs homologues sénégalais, évidemment, et même pourquoi pas que les élèves sénégalais puissent venir en France pour rencontrer leurs homologues français. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour des raisons politiques, pour des raisons d'organisation, mais on est en train d'y réfléchir. Il n'empêche que des petites délégations peuvent se rendre aussi simplement dans un premier temps pour aller voir sur le terrain comment fonctionnent les établissements scolaires, rencontrer les personnes importantes pour le partenariat. Voilà, donc un peu l'état des lieux de ce qu'on fait nous depuis déjà 2017 dans mon établissement avec donc Félicia et donc Gilbert qui est aussi là et puis maintenant le collège de Rombol aussi, qui est aussi très impliqué et qui s'investit avec son professeur, M. Foll. Voilà. Félicia, si tu veux compléter. OK. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on va donner la parole à Félicia pour ne Alors, serait-ce juste, que nous pardon, faire je termine juste un dernier petit mot. Alors, Oui. il y a d'autres établissements en France, évidemment, qui font aussi des partenariats avec des établissements scolaires sénégalais. Donc, notre souhait, évidemment, c'était de fédérer tout ça pour qu'il y ait un réseau, pour que tout ça se soit organisé. Il y a aussi des établissements qui souhaiteraient, nouveaux, hein, de français, des établissements français nouveaux, qui souhaiteraient mettre en place un peu à l'image de ce que je fais moi, mais qui cherchent des partenaires. Pour l'instant, ils n'ont pas de partenaires. Voilà. Donc, mon travail, peut-être maintenant avec Félicia, ça va être de constituer justement le réseau, de mettre du côté sénégalais, voir les établissements qui souhaitent participer au projet, du côté français, voir les établissements qui souhaitent participer, les mettre en relation et puis ensuite ben, les laisser faire hein, et pour que le partenariat se mette en place et fonctionne tout seul, quoi. Voilà, nous on est là juste pour initier, mais après il faut que l'investissement se fasse de part et d'autre.
pour que ça fonctionne. Merci Maxime. Félicia, c'est-à-dire donc, il y a les, je rappelle ces marques pour les établissements scolaires français que coordonne Maxime. Il y a trois lycées pour le moment au niveau de Rennes. Il y a un collège au niveau de la Bretagne, un collège au niveau de Montpellier et cinq établissements au niveau de la région Occitanie. Et maintenant, on va faire un appariement. Pour dire seulement que Maxime, ces établissements-là, il faut les coopter parce qu'on a plus d'établissements sénégalais impliqués dans le projet que d'établissements français. Et qu'à partir de la réunion du 4 mars, on va faire, donc vraiment, je pense, la liste définitive de pilotage parce qu'il ne faut pas également aller au pilotage tout le temps. Il faut qu'on arrête la liste. Voir avec les écoles, les établissements impliqués actuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire comme action concrète et avec le temps s'ouvrir à d'autres établissements, d'autant plus que maintenant il y a les institutions qui sont impliquées, le ministère de l'Éducation nationale qui a promis de passer par les IA, les inspections d'académie, et il y a le ministère de la Jeunesse qui est prêt également à s'impliquer dans ce projet. Il faut qu'on essaye d'estabiliser une feuille de route claire, au moins pour un an, et après maintenant revenir sur d'autres perspectives avec une ouverture. Pour dire, Maxime, que tu peux recruter ces établissements, tu peux mettre ça en coordination avec Félicia. On va voir les autres établissements qui nous sollicitent au niveau du Sénégal d'ici le 4 mars. Arrête la liste et allez maintenant sur des actions concrètes. Merci et Félicia, la parole à vous. Bien, merci, Monsieur John. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Voilà, donc comme Maxime l'a dit, pratiquement le travail, c'était une coordination, mais il faut le reconnaître, c'était Sira Diop qui s'occupait des enfants, parce que c'était comme c'est elle la coordonnatrice, et donc pratiquement les activités se faisaient avec elle. C'est récemment que je l'ai remplacée, plus ou moins, parce qu'elle a un petit souci. Mais pour mon travail, ce dernier temps, c'était juste d'essayer de fédérer les lycées, comme il m'a été demandé. Et je pense par rapport au partenariat, donc l'essentiel de ce qui ressort comment ça, c'est des expressions des différents lycées, c'est que nous voudrions vraiment que ce partenariat il puisse être fructueux. Et pour qu'il puisse être fructueux, il faudrait vraiment que les échanges puissent se faire de manière fluide. Et donc, pour ce faire, on a besoin d'avoir donc des outils. Et c'est la raison pour laquelle on a dit si c'était possible qu'on puisse avoir donc des salles de conférence pour que les élèves, donc partenaires ou bien jumeaux, puissent vraiment avoir un échange qui soit beaucoup plus fructueux. Et donc, par rapport à ça. Donc, la dernière fois aussi, j'ai rassemblé les élèves. Donc, on est toujours dans les échanges avec le lycée Marengo. Et il y a le nouveau lycée, donc je ne sais pas, parce que là, c'était des De élèves du secondaire. Plantorel, le collège Plantorel, Voilà, le qui avait collège amené les Richard. cahiers journaux. Voilà, on a ramené les cahiers journaux. Mais il reste des correspondants à qui on n'avait pas répondu, parce que tous les élèves n'étaient pas là. Donc, je n'ai pas eu le temps pour sélectionner ceux qui n'avaient pas eu de réponse. Et je vous l'avais dit pour que vous disiez à la coordonnatrice, c'est-à-dire la prof encadrante, de me donner le nom des élèves parce que les autres attendent pour pouvoir y répondre. D'accord. Voilà. Donc, grosso modo, je pense que Maxime a vraiment déjà parlé du travail que nous sommes en train d'effectuer, c'est-à-dire les échanges. Par exemple, l'année dernière, c'était des échanges culinaires. Donc, on a présenté des plats sénégalais. On a eu aussi à montrer la culture parce qu'on sait que le Sénégal donc, est caractérisé par une certaine variété culturelle. Donc, on a beaucoup d'ethnies. Et donc, on a fait un défilé ethnique où on a vraiment montré les différentes ethnies, leur façon de s'habiller. Même, on a eu à montrer aussi une cérémonie, par exemple, de mariage, comment ça se faisait dans une ethnie. Et on a eu à visiter aussi le village des tortues, aussi la Creuse. Donc, on a montré aux élèves français. Et donc, vraiment, c'est sur ces choses-là que s'articulent réellement nos échanges pour le moment.
Maintenant, les élèves de mon lycée aussi sont en train de d'aménager un petit jardin, surtout pour l'environnement. Donc, on aménage un petit jardin. Et dans ce jardin, donc, je leur ai proposé de faire un peu de maraîchage. Parce qu'avec le maraîchage, donc, ils pourront récolter quelque chose qui va pouvoir faire vivre le club. Parce que les enfants n'ont pas beaucoup de moyens. Quelquefois, ils veulent faire des choses. Donc, il faut qu'ils aient un certain appui financier. Donc, on les aide. Mais on voudrait aussi qu'ils aient une certaine indépendance. Déjà, commencer à voir comment se débrouiller tout seul. Parce qu'il ne faudra pas qu'on attende toujours de recevoir, même des parents. Donc, il y a des choses qui sont à leur portée. Et donc, on leur apprend à faire le maraîchage et les fruits de ce maraîchage-là peuvent les utiliser pour tout simplement les besoins de leur club. Et donc, c'est à ce stade-là que nous sommes. Et je pense pour les autres lycées, donc, j'ai déjà envoyé l'expression des besoins. Donc, il y a aussi deux personnes qui me disent qu'ils veulent intégrer la réunion, mais ils sont toujours sur la liste d'attente. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Pour Mais qu'ils puissent l'un pas est en intégrer. train. Hein? Oui, le Ah, lycée c'est Jussagne de Kies est là-dedans. il est entré. Oui, c'est Donc, fait. Il y a il y peut-être a monsieur le collège de Humboldt qui a des problèmes de de connexion, Humboldt. il a Oui, dit. Je viens il de m'a voir dit le qu'il a message. un problème de Humboldt, de Et connexion. voilà, le lycée Kassak de Saint-Louis est représenté par Souleymane. Vraiment, Et le mais il lycée de y a le Touba, tout proviseur également, vient qui dit d'entrer. qu'il a un problème. Voilà, donc c'est bon. Donc, Voilà, le en gros, lycée de Touba, tout c'est est ça. connecté. Il est connecté, Peut-être si d'accord. tu peux Donc, rappeler simplement la liste des établissements impliqués au Sénégal, quoi. d'accord. Donc là, on a le lycée de... Il y a Toubatoul, il y a Khombal, le lycée et le collège, il y a Kassak, il y a le lycée Jules Sagna, Le lycée de Kenaba, le lycée de Tchanaba et le qui le lycée de Bakel et les deux Bakel, collèges. voilà. Waoundé, c'est le nom que j'ai cherché. Voilà, Lycée Waoundé, voilà, c'est le nom Waoundé que j'ai lycée. cherché. Voilà. Voilà. Oui. Donc, ce sont ces lycées-là qui sont présents. Plus bien Je sûr pense Kounoun, collège et plus que lycée. nous, voilà, plus que nous, je me suis oublié. Voilà, plus maintenant les lycées qui veulent entrer, avec qui nous sommes en train de travailler. Il y a le lycée de Fimla et on va essayer de voir également avec le lycée de Ngen Sérère, bien sûr, et le lycée de Mounjane. On peut peut-être Peut-être donner qu'ils la sont dans parole le même bassin. Ouais. à Gilbert de Ranérou. Voilà, Gilbert. Oui, Et j'ai Ranérou oublié, il y a aussi. le Ranérou, je collège. l'ai Il y a oublié. le collège de Ranérou, qui est le Ranérou. premier partenaire En fait, je n'ai et pas qui la est sur liste. la Mirail Verte et que nous Voilà. allons rendre visite. Inch'Allah, le VSD pendant la fête de la jeunesse. Au mois Kevin, vous d'avril, hein? avez la parole. Si les autres qui viennent de rejoindre la réunion peuvent se présenter, ils peuvent le faire pour qu'on puisse savoir est-ce qu'ils sont là-dedans ou non. Je veux Là. parler de Ibou Fall, du lycée Jules Sagne de Thiès. Est-ce qu'il est là? Ibou? Là, nous avons Voilà, au il m'a dit total Jules 12 Sagna, c'est participants. OK. Bah, il m'a dit que c'est OK. Normalement, il y est. Ibou? Oui, tu peux continuer, Kevin. Parfait en tous les cas et merci, merci Félicia pour aussi cet état des lieux et des partenariats à construire. Le troisième point de l'ordre du jour, et ce sera le Oui, dernier vous êtes de là, qui non? nous Oui, concerne, est au sujet j'ai des remarqué. modalités d'organisation Voilà, d'une là, on vous demande caravane de scolaire vous de sensibilisation et de présenter. Bon, allez. découverte de la Grande Muraille Verte, donc c'est un très beau projet qui est en train de se construire et de se préparer sur le sol sénégalais. Regardez si vous ne l'avez pas coupé. Oui, c'est bon. Donc un troisième point sur les Pas, modalités d'organisation de cette caravane. voilà, donc merci beaucoup, Kevin. Je vais reprendre la parole par rapport à cette caravane. Parce qu'en fait, moi, quand je prends à témoin ici le proviseur du lycée de Bakel, M. Tanjigora Adama, quand j'étais prof, vraiment, j'ai fait la découverte avec mes élèves de tous les sites, en fait, du Sénégal à partir de Bakel.
Et nous avons visité le parc de Djoudj, nous avons visité la Grande Muraille Verte, nous avons visité le parc de Kédougou, nous avons fait les réserves naturelles presque de tout le Sénégal. Et chaque année, on le faisait pendant le mois d'avril. Je rends hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Abdelkader Cissokho, qui nous accompagnait dans ça. Et on amenait pendant chaque fête de Pâques, pas moins de 50 élèves visiter un site. Dans le cadre d'une association qu'on avait appelée Scolaire Environnement Développement. Et M. Tandjigora, ici présent, était en ce moment-là élève dans mon collège et lycée. Et il y avait également aujourd'hui le directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte qui devait être présent à cette réunion. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Et il avait donné sa ferme vraiment promesse qu'il serait présent. En fait, M. Abdoulaye Ba était également élève au collège de Bakel en ce moment. Et du coup, on faisait une éducation exactement pendant ces rencontres de jeunes. Pendant 10 jours, on les prenait pendant les fêtes et on parlait avec eux sur le civisme, la citoyenneté et l'éducation à l'environnement. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce groupe d'établissements scolaires, et avec le projet qui s'appelle Interscolaire Éco-délégué pour une éducation au développement durable, nous pouvons mettre sur pied dans tous les établissements à partir des clubs UNESCO des éco-délégués, mais également, comme l'a proposé Félicia, qui est la coordinatrice, parce qu'eux, ils ont toujours eu cette ambition programme avec Sira, de faire découvrir aux jeunes le parc de Djoudj, la Grande Muraille Verte, les réserves, comme ils ont déjà visité le parc des tortues de. Donc, du coup, là, peut-être, je vais m'adresser à M. Ba. Je ne sais pas si vous me suivez, M. Ba. M. Ba? Allô? M. Ba? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Très bien, donc je parlais de l'organisation de la caravane des différents établissements scolaires impliqués dans ce projet pendant la fête de la jeunesse. Au mois d'avril, nous voudrions organiser une caravane de découverte et de sensibilisation sur la Grande Muraille Verte en regroupant des jeunes qui viendront de Bakel, de Ranerou, de Thiès, de Kounoun et de Saint-Louis, Kassak, pour se retrouver au niveau de la Grande Muraille Verte. Après, quand ils vont passer la nuit au niveau de la Grande Muraille Verte, le vendredi, ils vont revenir sur Saint-Louis au niveau du parc de Djoudj, visiter le parc de Djoudj le samedi, faire une journée le samedi, et le dimanche, faire une réunion pour faire passer le message-là du civisme et de la citoyenneté, de la politique du ministère de la Jeunesse par rapport au cours du civisme et de la citoyenneté et de ces classes exactement extramuros. Je rappelle au passage que ces jeunes doivent être ambassadeurs pour un retour d'expérience auprès de leur père. En fait, quand vous faites passer vos objectifs opérationnels auprès de ces jeunes-là, avec les contenus, c'est à eux d'aller dupliquer ça auprès de leurs camarades pour que ça puisse servir. Mais également à travers l'UNESCO, quand nous avons des contenus à faire passer, nous allons passer par ces élèves qui, à leur retour auprès de leurs camarades, vont partager ces informations à travers exactement les activités du gouvernement scolaire. Mais en plus, il n'y a pas que les clubs scolaires. Parce que, en fait, je vous rappelle qu'au mois d'octobre, on a tenu l'Assemblée générale mondiale à Séoul pour la FEMACU. La FEMACU, c'est la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'UNESCO. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les clubs UNESCO, il y a les associations également. Toute association, loi 1901, peut être transformée en club UNESCO. Au niveau des quartiers, ne vous en faites pas, le club UNESCO aide aux jeunes, n'est pas scolaire. Et c'est lui qui porte toutes les initiatives dont je viens de décrire au niveau de Kombol. Et donc, les associations, les scolaires peuvent créer des clubs UNESCO pour faire des cours sur les chemins du civisme et de l'honnêteté.
Et du coup, nous voulons organiser cette caravane pour sensibiliser, pour avoir en fait un groupe d'élèves. Au départ, un noyau sur lequel nous allons nous appuyer pour faire passer nos politiques publiques en matière de sensibilisation de la jeunesse. Et pour cela, si on regroupe les élèves au niveau de ces trois, pendant ces 3 jours, sous forme d'une caravane, un, ça va faire une émulation auprès des enfants. Généralement, aujourd'hui, les enfants ne s'intéressent plus à l'école parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités extramuros. Ils sont trop pris par les agitations au niveau des établissements scolaires. On s'est dit que donc, ils ne sont plus occupés. Alors que si les élèves savent que chaque fête de Pâques, chaque mois d'avril, il va y avoir une caravane qui sera organisée. Après, ça peut être des critères sélectifs pour participer à ces caravanes. Si on les regroupe pendant ces 3 jours, ils vont se connaître entre jeunes d'horizons divers. On fait passer des messages par rapport au civisme et à la citoyenneté. On découvre la Grande Muraille verte. Et quand il va y avoir l'organisation du camp chantier jeune entre les Français et les Sénégalais, on aura déjà de la matière. On travaille avec l'ETHOS, l'école doctorale ETHOS de l'Université de Dakar. On travaille avec M. Massamba Mbaye, qui est le responsable, le recteur chargé de la vie communautaire de l'Université de Dakar. Nous les avons déjà rencontrés dans le cadre de ce projet. Moi, je pense que notre objectif, c'est quoi à travers ce projet I2ED, interscolaire éco-délégué pour une éducation au développement durable, créer, après le volet interculturel, le volet environnemental, un volet pédagogique. Créer des passerelles pour l'enseignement à l'éducation au développement durable depuis l'école maternelle jusqu'à l'université pour décloisonner cet enseignement qui est aujourd'hui enseigné de façon transversale. Tout le monde parle d'écologie, tout le monde parle d'éducation au développement durable. Je prends en témoin l'inspecteur Sidibé qui est là, qui est prof d'SVT, comme moi. En seconde, on fait de l'écologie. On te parle de structuration des écosystèmes, de fonctionnement des écosystèmes, de diversité des écosystèmes, mais je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent que les enfants vivent l'évolution de ces écosystèmes sur le terrain et puissent aller dupliquer ça par un retour d'expérience auprès de leurs camarades dans les écoles. L'écologie, le programme de seconde, ça pose problème au niveau du Sénégal. Moi, je pense que pour décloisonner l'enseignement de l'éducation au développement durable, le ministère y est, le ministère de l'Environnement y est, nous avons un projet, c'est de la matière, et pour cela, il faut commencer. Je vous l'ai dit, directeur de l'éducation populaire, M. Ba, nous avons du terrain, mais nous n'avons pas les moyens. Et donc, du coup, les partenaires techniques et financiers ne peuvent être que les institutions, y compris la Fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale en France, qui est impliqué, on devait être reçu à Matignon. Malheureusement, il y a eu changement de premier ministre. La fédération devait être reçue. Kevin, qui est ici présent, le président de la fédération et moi-même, avec la déléguée au siège de Paris, nous devons être reçus à Matignon le 9 février passé. Malheureusement, ça a été reporté. Il y a eu un remaniement ministériel. Nous avons introduit aujourd'hui une demande au niveau du ministère de la Transition écologique par le chargé des partenariats, Kevin. Je pense que si nous nous mettons tous sur ce projet avec des énergies positives, avec une volonté de trouver de la matière à donner à cet enseignement de l'éducation à la citoyenneté, du civisme, si les établissements se l'approprient, forcément, c'est les institutions qui viendront vers nous. Mais il fallait une initiative, il fallait du courage. Mais si on s'engage, on doit s'exiger. Ce n'est pas le projet parce que je suis venu aujourd'hui ou bien j'étais là hier. C'est un projet de tout le monde. Si nous nous engageons, nous devons nous exiger, nous devons nous assumer et on se l'approprie pour faire de telle sorte que comment faire émerger ce projet, comment faire prendre de la matière. Du coup, nous vous invitons à participer à cette caravane de jeunesse qui doit regrouper pas moins de 500 jeunes. Ça nécessite des moyens. Tous les partenaires doivent s'impliquer par rapport à ça, bien sûr, avec un apport personnel des établissements. Nous, quand on le faisait à Bakel, chaque élève cotisait.
Chaque élève cotise qui va participer. Le reste, avec le budget global, il va y avoir les ministères qui vont participer. Il va y avoir la Fédération française qui va participer. Ça va nous permettre d'avoir de la matière par nous-mêmes sur le terrain avant que les autres partenaires, parce que nous travaillons également avec l'ambassade de France. Monsieur Benoît Herzbrun, qui est le responsable du développement durable, du réchauffement climatique et de l'environnement, est très au parfum de ce projet. Nous avons été là-bas ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, l'Agence sénégalaise de reforestation. Et il suit de très près ce projet-là. Et donc, il y a un arrangement administratif, je ne vous apprends rien, Monsieur Ba, entre la France et le Sénégal à travers nos deux ministères, de l'Éducation nationale en France et de la Jeunesse, qui est un même ministère, et le ministère de la Jeunesse au Sénégal. Il y a un arrangement administratif et les responsables ont décidé d'inscrire ce projet dans le cadre de cet arrangement administratif. On voulait l'appliquer pendant les vacances citoyennes sortantes. Malheureusement, il y a eu des problèmes. Et depuis lors, le gouvernement français également, comme nous, hein, on n'est pas stable, il faut oser le dire. Et du coup, on attend que tout ça se stabilise et c'est en très bonne voie pour que maintenant nous puissions passer à l'opérationnalisation des objectifs de ce projet. Et du coup, nous vous invitons à faire tout avec la coordination et les établissements impliqués, de parler du modus operandi de ce projet de façon concrète. Qu'est-ce qu'il faut objectivement? Il faut du transport, il faut de la nourriture, il faut de l'hébergement sur place. Pour cela, l'Agence de la Sénégalaise de la reforestation pourra mettre sur place donc l'hébergement le vendredi dans la Grande Muraille Verte. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais au niveau du parc de Djoudj, le samedi, pour passer la nuit et la journée du dimanche, il faudra budgétiser ça, demander des renseignements, coordonner ça, parce que nous sommes des catalyseurs du projet. Monsieur Salif, tu sais très bien que si tu es catalyseur, tu ne participes pas à la réaction comme félicitaire. Mais nous facilitons, simplement. Nous facilitons, mais les acteurs de terrain, ce sont les chefs d'établissement, ce sont les clubs UNESCO. On a une idée, c'est à vous de la mettre en forme avec vos élèves. Et à partir de ce moment, nous, on va vous accompagner dans la réalisation de cette rencontre de jeunes pendant le vendredi, samedi, dimanche. Au niveau de la Grande Muraille Verte et du parc de Djoud pour être le point de départ de la mise en route de ce projet qui nous tient vraiment à cœur, l'IE2ED, qui tient à cœur la fédération. La convention de partenariat est signée entre la Fédération française des clubs pour l'UNESCO et l'Agence sénégalaise de reforestation de la Grande Muraille Verte, qui prévoit ça dans son PIGMV, le programme intégrateur de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, je suis le représentant, c'est pourquoi je fais l'interface du projet entre la France et le Sénégal. Et donc, du coup, si tout le monde s'implique, si tout le monde s'engage, s'exige, s'assume, moi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas arriver à la concrétisation et pourquoi pas passer ça. Parce que nous ne sommes pas des décideurs. Nous voulons faire une proposition concrète par rapport à ce contenu pédagogique, par rapport à ce curriculum de l'enseignement du développement durable à nos différentes autorités académiques. Et c'est à eux de mettre ça en route, de l'exécuter, parce que nous n'avons pas cette autorisation. Mais nous avons, en tant qu'enseignants, en tant qu'acteurs de terrain, le devoir de faire des propositions pour un changement de curriculum et créer des passerelles pour l'enseignement du développement durable depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Et nous y travaillons depuis 2 ans maintenant avec les différents partenaires. Je vous remercie pour donner la parole donc à Kevin qui va peut-être redonner ça aux établissements scolaires sénégalais pour parler. Que pensez-vous de l'organisation de cette caravane de rencontres entre jeunes, le VSD, pendant les fêtes de la jeunesse, entre établissements sénégalais et français? Et avant le 4 mars, c'est sûr et certain que chaque lycée sénégalais, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, aura son partenaire français pour travailler dans le cadre de binôme. Et je fais vraiment confiance à M. Maxime Jean-Jacques qui travaille dans ce cadre-là et depuis des années pour gérer ce partenariat avec Félicia entre les différents établissements scolaires
sénégalais et français. Je vous remercie. Merci à tous. En réaction à la proposition d'Abdou Guillaume, est-ce que certains souhaitent réagir concernant l'organisation de la caravane? Ce sera le moment de conclusion de cette réunion ensemble avec vous tous. Voilà, donc je peux? Absolument, s'il vous plaît. Voilà, donc je pense que ça, c'est parce que on en a parlé largement même avec Abdou Diop. Je pense que c'est une très belle initiative et que vraiment que nous devons tous nous y impliquer, particulièrement les chefs d'établissement, les encadreurs des élèves, parce que là, ce sera un surplus que les élèves vont avoir pour vraiment être beaucoup plus conscients de ce dont on leur parle. Parce que sûrement quand on va aller à la Grande Muraille Verte, ils vont voir qu'il y a des endroits où il devait y avoir des arbres, il n'y a pas d'arbres. Et là, de là, on peut leur expliquer même l'importance des arbres. Et ils vont revenir donc armés d'autres idées qui vont leur permettre, même dans leur environnement, de changer l'environnement. Parce que là, ils seront mieux outillés pour connaître l'importance des arbres. Et même les autres animaux, parce que quand on parle du parc, les élèves ne connaissent pas beaucoup d'oiseaux, seuls les oiseaux qu'on voit ici, les hirondelles et autres peut-être, et puis les oiseaux domestiques qu'ils connaissent. Et donc, ce sera une grande découverte. Et par là, cette découverte aussi, c'est toujours un enseignement. Donc, ils vont avoir donc, un petit bagage avec lequel ils pourront mieux conscientiser leurs camarades sur l'importance même des animaux, des végétaux qu'il faudrait protéger, parce que là, on voit que donc, il y a beaucoup d'espèces, aussi bien animales que végétales, qui sont en voie de disparition et qu'il faudra vraiment protéger, reverdir l'environnement, parce qu'on leur a dit que quand il y a beaucoup d'arbres, cela attire la pluie. Et on voit que depuis quelque temps, donc, la pluie n'est plus aussi fréquente, donc ce sera aussi une occasion de voir certaines choses. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, j'ai juste deux mots. Je pense que c'est une très belle initiative, cette caravane-là. Maintenant, reste à voir comment on va concrétiser, quelles sont les modalités de concrétisation de cette caravane, de découverte et de sensibilisation. D'accord. De l'autre côté, à l'instant T, je ne peux pas prendre d'engagement en termes de contribution en moyens. Mais bon, on va voir ce qui est possible. En tout cas, nous nous montrons disponibles et ouverts pour accompagner cette caravane-là. Je ne manquerai pas d'en parler à l'autorité, comme elle a déjà, je vois qu'elle a déjà. Elle est déjà sensibilisée, hein, assez sensibilisée avec son homologue français sur ce projet-là. Donc, je vais en échanger avec elle pour voir les possibilités d'accompagnement de cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Les autres, bonsoir. Maintenant, je pense qu'on va passer la parole aux autres établissements qui sont présents ici. Oui. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Ah, Syrah, oui, Syrah. Oui, bonsoir. Bonsoir, Syrah. C'est la prof encadrante au lycée de Kounoun, oui, Syrah. Bonsoir, Maxime, comment allez-vous? Très bien, Syrah. Ça va, et les élèves, ils vont bien? Oui, ils vont bien. On est juste en vacances pour l'instant, nous. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, comme l'a si bien dit mon proviseur, Félicia Préra, nous avons eu à travailler avec le Collège de Toulouse, avec Maxime, dans le cadre de la correspondance. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, sinon ajouter que la caravane que vous voulez organiser sera une bonne chose pour nos élèves, parce que ça leur permettra de découvrir l'ailleurs. Donc, ils pourront découvrir d'autres choses, d'autres contrées, et ça va les aider dans leurs apprentissages. Et ça va aussi propulser d'autres élèves et les aider à adhérer au projet de l'environnement. Parce que nous vivons maintenant
des difficultés climatiques dues à la non-reboisement et à la non-implication de la jeunesse. Donc, comme l'a dit M. Diom, la jeunesse n'est pas encadrée, la jeunesse est laissée par elle-même. Ils n'ont pas la chance que nous avions, parce que moi, c'est ce qui m'a attiré et ce qui me fait adhérer volontairement dans l'encadrement des jeunes élèves. J'ai été éduquée de la sorte, donc j'ai eu à bénéficier de ce type de projet, de partenariat lorsque j'ai été élève. Donc j'ai voulu donc reprendre cela avec mes élèves pour essayer de les aider à être des citoyens et des citoyens éduqués au civisme et à la citoyenneté pour pouvoir créer d'autres modèles, comme l'a dit si bien dit Monsieur John. Donc, c'est une belle initiative d'aller au parc de Djoutch. Donc, les élèves m'avaient demandé de faire des visites encore. Ils en veulent toujours. Donc, ils ne veulent pas tout le temps rester à l'école. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut toujours les aider à sortir du cadre. Donc, ces activités extramuros les aident à se développer, à s'humaniser, les aident aussi à devenir des responsables, des citoyens. Donc, c'est vraiment bienvenu. Et j'espère que, puisque la proviseure, elle est là, elle adhère déjà au projet, donc ce ne sera pas un problème avec le lycée de Kounoun. Elle va prendre ça en charge. Donc, vraiment, nous vous félicitons et merci beaucoup de l'initiative. Et j'ai entendu tout à l'heure aussi le directeur de l'éducation populaire parler d'activités culturelles qu'on peut mener dans le cadre de leur maison de culture. Donc, ce serait bienvenu, hein, ce serait bienvenu parce que les élèves sont là, ils sont talentueux, ils ont des talents, comme l'a si bien dit le proviseur tout à l'heure. Nous avons créé des activités culturelles, donc, où toutes les nations se sont présentées avec des pièces de théâtre, des danses et une activité culinaire. Donc, si l'éducation populaire est là pour la culture, donc, ce serait bienvenu pour nos élèves de théâtraliser leurs œuvres au programme parce que c'est plus facile de lire l'œuvre culturelle dans le théâtre que de le lire assis, cloîtré sur ta fauteuil. Donc, ce serait bienvenu d'impliquer ce projet dans les établissements pour aider les élèves à s'approprier des livres en les théâtralisant. Merci beaucoup. Alors, Bien, merci. Est-ce ouais, que d'autres on t'entend, réactions Sarah, sont souhaitées sur cette belle action extramuros? oui. Oui, vous m'avez entendu. J'ai parlé. Ouais, on t'entend, Sarah. Ah, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci, Merci. merci. On va passer peut-être la parole aux autres établissements. Monsieur Bonsoir. Tandikora, avant de peut-être revenir sur l'inspecteur Salif Sidibé. Bonsoir. Oui, salut tout le monde. Encore une fois, je reviens. J'étais un peu parti parce qu'il y avait coupure d'électricité, donc voilà. Mais je voulais juste te dire que dès le début, moi, j'étais d'accord pour cette initiative-là. Parce que l'école, ce n'est pas seulement l'enseignement qui se fait dans les classes. Il faut que les élèves apprennent aussi à découvrir autre chose, à s'impliquer dans d'autres activités, à échanger aussi avec d'autres élèves. Donc, je crois bien que ce serait une très belle expérience pour des élèves qui viennent de Bakel, qui n'ont pas tellement d'expérience en la matière, parce que c'est très rare que, en tout cas moi, depuis que je suis là, il n'y a pas eu de sortie. Donc, ce serait donc une grande première donc d'aller vers d'autres localité, de découvrir des endroits comme le parc de Dieu, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, je pense bien que ce serait une très belle initiative si on y arrive, bien sûr. Je pense qu'on va y arriver également parce que tout le monde est déterminé. Donc, pourquoi pas, ça peut se faire. Et je pense bien que les autres établissements qui sont avec moi ne désisteront pas. Et ce sera une très belle occasion d'aller faire la visite au parc du. Merci, professeur. Donc, l'autre lycée, Jules Sagna de Kies. Oui, bonjour. Bonjour.
Vous Fall, m'entendez? prof de SVT également. Oui, bonjour. Bonjour, oui. Voilà. Toutes mes excuses pour ce retard. J'ai eu des problèmes de connexion, mais ça s'est bien rétabli quand même. Tant mieux. Et je voudrais vous présenter les excuses du proviseur, monsieur Lam, empêché pour des raisons des soucis de santé. Il me l'a fait savoir et il s'en excuse. Alors, concernant le projet, nous sommes partants parce que, comme l'a si bien dit M. Diom, l'essentiel de nos cours en écologie se fait de façon, comment dirais-je, Théorique. Théorique. théorique pour Théorique. moi. Oui, théorique. Donc, ça sera Théorique. l'occasion. Théorique. Théorique, oui. Donc, l'essentiel, ça sera l'occasion pour nous de leur montrer les interactions qu'on leur parle en classe et dans les cours. Et l'occasion aussi pour nous aussi, enseignants, de découvrir certains milieux qu'on entend seulement depuis, et pourtant nous habitons le Sénégal. Donc, nous sommes partants. Alors, j'ai écouté également les interventions des autres et nous sommes en phase, hein, nous sommes en phase. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Robert. Gilbert de Ranerou, de la Grande Muraille Verte, qui doit nous accueillir. Qu'est-ce que tu en penses? Gilbert. N'est pas parti. Je pense que Gilbert est déconnecté. Vous voyez les problèmes de la pertinence de l'installation des salles de visioconférence dans les établissements. Ils ont des Beaucoup d'alerte. problèmes de connexion au Sénégal. Donc ça, je pense qu'il y a quel autre établissement? Gilbert Souleymane Thiam, est-ce qu'il est il là? est toujours là, je pense, mais il a coupé son micro. Ah oui, Gilbert. Attends, il faut qu'on le lui dise. Donc excusez-moi parce que je coordonne en même temps avec les téléphones. Et donc, je vais l'appeler pour lui dire qu'il a coupé son téléphone, quoi. Bon, tu es là, hein, monsieur John. Oui, ah, voilà, Suleyman, tu peux y aller le temps que Gilbert revient. Oui. Oui, Suleyman, tu peux parler au nom du lycée de Cassac de Saint-Louis, dans le département de Donc, Saint-Louis. par rapport à l'événement prévu au parc Redoute. Gilbert? Voilà, c'est ça. Gilbert, tu as coupé Oui, ton oui. micro. Tu dois prendre la parole. Tu as coupé ton micro. Oui. Mais dès que tu te connectes, tu peux prendre la parole, d'accord? Oui, Suleyman. Oui. Oui, vas-y, on t'écoute. Hein. Bon, je disais qu'il y a le proviseur qui avait des problèmes de connexion pour assister à la réunion. Oui. Là, dans ce cas, bon, je suis obligé de lui remonter les informations Oui. et de voir comment le plus rapidement possible être à jour par rapport aux autres lycées. D'accord. Donc, nous sommes en phase avec vous et tout ce que vous entreprenez, bon, nous sommes prêts à s'engager. Nous n'y revenons pas en arrière. D'accord. D'accord, Souleymane. Du coup, on va passer la parole au ministère de l'Éducation nationale, dont la caution morale est incontournable pour déplacer les élèves. Inspecteur, vous avez la parole. Et aussi, Monsieur Diom, une chose aussi, hein. Oui. Bon, pour le parc Redoute, bon, je peux assurer, bon, je peux nuire le partenariat entre le parc Redoute et le projet, hein. D'accord, ça c'est Parce une que bonne nouvelle. j'ai là-bas des contacts avec qui, bon, ils pourront s'intégrer avec le projet, voir quelles sont les perspectives qu'on peut ouvrir ensemble. D'accord. D'accord. Donc ça, ce sera pris en charge par vous au niveau de Saint-Louis, certainement, quand ça va avoir les modalités pratiques seront fixées. Donc,
Bon, si tout est fait, là, dans ce cas, moi-même, je vais aller au niveau du parc et essayer de voir comment on va faire, établir L'accueil. le partenariat, L'accueil. quoi. D'accord, ça marche. D'accord. Donc, on va passer la parole à l'inspecteur Sidibé. Inspecteur. Il disait que d'abord, à mon C'est Job. Monsieur Job, Oui, je Sarah. vous ai envoyé un message par rapport à ce que l'inspecteur a dit. Merci de le lire. Oui, ah, d'accord. D'accord, moi, je n'ai pas vu. Je vous ai envoyé tout de suite un message. C'est la raison pour Ah, laquelle je tu vous... l'as. Oui, je vous ai... Avant de vous appeler, parce que j'ai vu que vous n'avez pas regardé le message. Oui, Maintenant, il faut je n'ai pas regarder le regardé. message. Il faut le regarder. D'accord. D'accord. Donc, Sira, apparemment, avait un mot à dire là. Non, D'accord. Donc, non, c'est bon. maintenant, excusez-moi. non, il va entrer. Kevin, tu peux faire entrer l'inspecteur Sidibela. Il est en attente. Alors là, tout le monde S'il te plaît. Ouais, est là, y a. 10 participants et il n'y a pas de nouveaux entrants. Non, il y a l'inspecteur Sidibé qui est parti et qui voulait revenir. Non, je lui dis de se connecter à nouveau, quoi. Donc pour l'instant, il n'est pas connecté. Il D'accord, n'est pas d'accord. connecté. Oui, mais Kevin, donc tu as la parole entre-temps, à part de ce qu'on a dit là, une petite synthèse, s'il Je te suis plaît. désolé, je vais devoir vous laisser. Ouais, même nous. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour la suite. D'accord, Okay. Maxime, je pense que le mot de la fin est là. On va donner à Kevin pour le mot de la fin. Après, maintenant, le reste, c'est une organisation sur le terrain. D'accord, ça marche. À bientôt. Merci. Kevin, oui, à bientôt, oui. Kevin? Un mot de la fin, en tous les cas, très rapide, puisque visiblement, chacun a des engagements. En tous les cas, cette réunion était stimulante avec trois points, je vous le rappelle. Un premier point d'information sur la création des clubs scolaires pour l'UNESCO. En rappelant qu'indépendamment d'être des entités associatives, il est possible au sein des établissements de les rattacher au niveau du gouvernement scolaire. Donc Ouais, c'est c'est comme assez ça. intéressant parce que ça permet Hélène, effectivement dans les communautés, dans vos communautés éducatives respectives, de faire vivre toutes ces questions de développement durable, d'aborder aussi les questions liées à la paix au niveau international. Et donc on est pleinement dans l'approche pédagogique extramuros que la Fédération française des clubs pour l'UNESCO cherche aussi à encourager. Je ne vais pas reprendre les interventions de donc chacun, mais en tous les cas, la grande diversité des écosystèmes existants, que ce soit les foyers socio-éducatifs traditionnels, ce qui se passe dans vos établissements respectifs, tous les projets, centres sociaux communautaires et les clubs, comme beaucoup d'autres dynamiques créatives et collectives qui se sont mis en place au plus proche de vous. Abdoulium a bien décliné en fait la vision d'approche éducative extramuros qu'il avait avec une doctrine éducative intéressante sur les 5 C. Les 5 C, c'est cours, classe, civisme, chemin et citoyenneté. Et ce sont ces 5 C qui vont permettre cette éducation noble à la citoyenneté mondiale. Je vais de toute façon vous transmettre un compte-rendu détaillé où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments. Vous dire que Félicia et Maxime font un travail de coordination important pour effectivement mettre en relation et permettre un binôme le plus pertinent possible entre établissements sénégalais et leurs homologues français. Et puis le troisième point, donc on a eu l'occasion très largement d'échanger tous ensemble, eh bien c'est cette grande caravane qui sera en tous les cas une très belle vitrine de rayonnement en offrant un éclairage extrêmement intéressant de sensibilisation et de découverte de la Grande Muraille verte. Et les réactions finales, en tous les cas, ont été enthousiastes et très positives pour faire aboutir cette belle caravane. Je vous remercie à tous pour votre attention et le message de conclusion, en tous les cas, que je retiens, qui est fort et qui venait d'Abdou Biom, c'est aussi le décloisonnement, en fait,
l'éducation, de l'enseignement au développement durable. Et je pense que vous en êtes, vous y contribuez très favorablement. Donc bravo en tous les cas pour cette grande ouverture d'esprit. Merci. Merci Kevin. On va donner la parole à l'inspecteur Sidibé qui est revenu et pour le mot de la fin en tant que ministère de l'Éducation nationale. Inspecteur. Voilà, il est en train de se connecter. D'accord. Donc moi, je voulais dire un dernier mot par rapport à ça, donc aux deux coordinateurs, parce que le même programme va se faire en France. On va regrouper tous les établissements scolaires français autour d'une thématique pour qu'ils se retrouvent ensemble, pour faire une activité ensemble. Tous les établissements scolaires français vont faire de même ici. Et à partir de ce moment maintenant, on va essayer de voir avec les échanges interculturels sous forme de binôme et d'établissement. Je vous l'ai dit, hein, dans la semaine, vous allez tous recevoir chaque lycée, les coordonnées du lycée auquel il est en partenariat en France. Vous allez les recevoir et vous allez parler entre vous directement dans la semaine. Et donc, du coup, il va y avoir, après cette coordination par Maxime de tous les établissements scolaires, on va organiser ici des journées thématiques et on retient un jour où tous les établissements scolaires vont se retrouver autour de ce projet, ici en France également. Et donc, sans compter que normalement, le ministère de la Jeunesse doit être ici fin avril pour qu'on soit reçu au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Kevin a oublié de revenir sur ça. On a introduit une demande au niveau de Matignon, c'est Oui, c'est décalé. ça. On a introduit une demande au niveau du ministère de la Transition écologique. Donc, vous avez la Par parole, minute, je m'en ai créé inspecteur. une, mais 5 minutes. Mon... T'as lampe, Bernard. Inspecteur, vous avez la parole. Il a fermé son micro. Attends, je vais l'appeler. Allô? Oui. Monsieur John? Oui. Ah, excusez-moi, Monsieur John, j'avais quelques soucis. Comme D'accord. je vous ai signalé tantôt, je Oui. suis à Kaolack actuellement, je suis en mission dans la zone. Et donc, D'accord. j'avais utilisé mon téléphone pour partager la connexion. Bon, entre-temps, la connexion a été s'est terminée. Le temps de revenir, bon, j'ai eu quelques D'accord. soucis. Donc, j'en étais juste au D'accord. moment où vous parliez de la caravane. C'est une initiative extrêmement intéressante. Je pense qu'il y a eu une année, on a eu une caravane avec l'association de la promotion de l'astronomie. Et moi-même, j'ai été un des organisateurs de la caravane. C'est des moments assez forts hein, qui permettent de sensibiliser, de mobiliser. Et je pense que ça permet aussi de faire des découvertes, beaucoup de découvertes. Et je pense que c'est tout heureux de voir un peu cette vision un peu du pays. Et des potentialités, que ce soit écologique, économique et autres, culturelles. Et je pense que ça renforce aussi des liens. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Et nous, au niveau du ministère, bon, dès qu'on a les éléments, je pense qu'on pourra faire les lettres d'information qu'il faut pour permettre de mobiliser les écoles et avoir l'autorisation des parents pour participer à cette activité. N'est-ce pas? En rapport avec les inspecteurs d'académie. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à propos. Mais si vous avez d'autres attentes aussi, vous pouvez les préciser. Comme ça, nous, au niveau du ministère, on pourra vous accompagner dans cette activité. Merci beaucoup, inspecteur. Donc, Félicia, vous voyez, donc, il faudra coordonner très rapidement avec les autres chefs d'établissement pour définir les modalités pratiques de Voilà. l'organisation de cette caravane. Nous allons passer la parole à M. Diouk qui vient de se connecter, le proviseur du lycée de Touba Toul qui est venu en retard. Et Gilbert, à vous deux après, avant qu'on ne termine, dans quelques minutes. Merci, merci Monsieur Hey, Diouf. Allô? Qu'est-ce oui. qui passe, Monsieur Diouf? Allô? Oui, vous pouvez, oui. Monsieur Diouk. Oui. Et je peux parler, c'est bon? Oui. Bonjour tout le monde. Ou Bonjour bonsoir, à hein, tous. selon. Ouais. Je salue tout le monde. Hein, et c'est vrai que je suis arrivé un peu en retard. Bon, avec la descente, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je trouve le projet très, très intéressant. Et nous remercions également M. Diom qui nous a mis dedans.
le lycée de Touba Toul. Et les élèves seront vraiment très intéressés par rapport à ce projet-là. Donc, on a été informés sur les tenants et les aboutissants. Et nous allons nous y mettre. Et je crois que les parents également seront très, très contents de savoir que leurs enfants sont en train de faire d'autres découvertes. Parce que vous savez, nous, nous intervenons dans des lycées entre guillemets de brousse. Hein. Les élèves n'ont pas tout le temps l'occasion de découvrir d'autres réalités, d'autres horizons. Et je crois que là, ils auront l'occasion. En tout cas, on est très, très intéressés par le projet. Et nous ferons tout pour donc être à la hauteur donc de cette confiance-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Gilbert? Oui, allô? Oui, Gilbert. C'est toi oui, qui dois bonjour, nous accueillir là, le vendredi. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, Gilbert, on t'entend. Oui, ah, non, j'avais de petits problèmes avec la connexion, quoi, raison pour laquelle je n'ai pas pu participer à la discussion. On comprend. Mais en ce qui concerne le CM de Ranero, là, automatiquement, nous sommes partants. Vu que nous sommes dans une zone qui est un peu enclavée d'abord. Et nos élèves ne parviennent pas à sortir souvent pour faire certaines découvertes. Et là, ce sera encore une occasion pour les faire découvrir certains endroits, surtout la ville de Saint-Louis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, en fait, on va continuer entre établissements scolaires sénégalais d'en discuter sur les modalités pratiques et pour que ça puisse aller très vite parce que je pense que ça va être un week-end dans les fêtes de la jeunesse au mois d'avril au Sénégal et nous vous laissons proposer des modalités pratiques. S'il n'y a pas un mot, je repasse la parole à Kevin. Bon, en fait, je vous l'ai dit, je peux... Oui. Je voulais dire juste que après peut-être je vais voir comment on va avoir tenir une réunion peut-être avec par WhatsApp pour voir comment les modalités, le nombre d'élèves qu'il faudra amener. Donc je pense que ça on va le faire à notre niveau au Sénégal. Donc peut-être d'ici le lundi ou le mardi, je pense le plus tôt ce serait le mieux pour qu'on puisse se mettre d'accord. Donc peut-être mardi, je propose mardi donc qu'on fasse vidéo donc ou bien appel groupé sur WhatsApp et puis on va en parler. D'accord. Donc vous pouvez régler ça à votre niveau, nous donner les modalités pratiques, comment organiser cette caravane, en parler très rapidement aux deux ministères de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et également l'Agence sénégalaise de reforestation et également nous en tant que fédération. Nous attendons les modalités pratiques d'organisation de cette caravane, mais sans également oublier que vos besoins ont été recensés. Nous allons s'y mettre très rapidement au niveau de la Fédération française dans le cadre des partenariats internationaux pour voir comment répondre et vous dire la feuille de route qui est retenue au niveau de la Fédération française. Voilà, donc Kevin, je pense qu'on a fait... Oui. Merci à tous pour votre attention et votre participation. Nous allons construire rapidement un compte-rendu de cette rencontre et nous vous le transmettrons en tous les cas dès que possible, voilà, avec tous nos voeux d'encouragement dans cette belle caravane à venir. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde et au revoir. Merci, à bientôt. Merci, bonne soirée. Et, merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Allez, ciao, bye. Kevin? Oui. On reste là entre nous deux pour deux minutes de synthèse. Dix minutes, oui. Oui. Les autres peuvent se déconnecter. Hein? De toutes les façons, on est là, nous, on est obligés de continuer pour faire un peu le compte rendu de la rencontre. Oui, Kevin, je pense qu'ils sont tous partis. Bah, il reste une personne, alors. Un instant. Oui, proviseur, tu peux te déconnecter hein, si tu veux. Nous, on fait surtout... Oui, voilà, merci, merci. Donc, nous sommes deux. Nous sommes que seuls maintenant. C'est bon. Ok, parfait.
Bon, bah, merci pour Mais l'animation. félicitations, félicitations, ça a été bien. Oui, très bien. Bah, là, il est 19h54, donc on a presque voilà, duré 2 heures, mais c'est vrai qu'il y avait des soucis de connexion. Je vais me débrouiller pour le compte-rendu. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui posent problème. Je suis en train de relire un peu rapidement. Je te fais juste réagir à chaud sur des éléments pour que je ne mette pas de bêtises. Oui. Alors, attends, un instant. Tac, tac, tac. Je relis un instant en même temps. En fait, là où je ne voudrais pas mettre de bêtises, c'est est-ce qu'on peut reprendre en fait ensemble le nom. Voilà. Moi, j'ai recensé en fait en lycée, en établissement impliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 établissements sénégalais, plus un nouveau, non, 2, plus 3 nouveaux, pardon. Donc, en tout, il y en a 10, c'est ça? Non, mais attends, je vais reprendre, il y a trois à Bakel. Le OK. proviseur de Bakel représente en même temps les deux principaux. Il y en a trois à Bakel. OK. Bakel, Il y c'est a un à Ranem. BAKEL, c'est ça, hein? KEL. Le Ouais. lycée de Bakel et les deux collèges de Bakel. Lycée et de collège. OK, super. Il y a le collège de Ranerou. Ranerou, OK, RANEROU. Il y a le lycée de Kassak dans le département de Saint-Louis. Kassak, KA2SACK. OK. Il y a le lycée de Toubatoul. TOUBABOUL. Il y a eu le lycée Jules Sagna de Thiès. OK. Il y a eu donc le lycée Jules Sagna de Thiès. Il y a eu le collège de Humboldt, mais il n'était pas arrivé à se OK. connecter carrément, le Rombol, collège t'écris de ça Humboldt. comment? KH. K-H OM. O-M-O. OM. KHOM. K-H-O-M. PO. P-O. B comme Benoît. Ah, B-O, BO. ouais. LE. Combol, OK. Après, il y a eu le collège et le lycée de Kounoun. K-H. K, il n'y a pas H. KOU. Ouais. NOU, NE. OK. Collège et lycée de Après, Kouloun, c'est le même établissement, hein? oui, c'est le même établissement, OK. collège et lycée de Kounoun. Après, il y a eu le direct, le ministère de l'Éducation nationale était représenté par le point Ouais, focal de ça, j'ai EDE. noté les deux entités. Voilà, et l'éducation populaire. Donc, pour le moment, voilà ceux qui étaient présents et avec qui nous allons maintenant être sur le terrain. Alors, attends, Jules Sana de qui? Ouais. Et Jules Sagna, Jules. Tiananba, non? Tienaba, est-ce que Tienaba était présent? Bah, écoute, moi, j'ai. Je sais pas, j'ai noté, oui. Mais j'ai ça dans mon compte rendu, Ah oui, donc. donc le lycée de Tienaba. Donc, T-I. TH, TH, T-H. I, I, Ouais. E, Oui. N, A, B, A. OK. N, A, B, A. B comme Benoît, B, A. OK, ça marche. Et le collège de Ranérou. Et le collège de Ranerou. Ranerou, t'écris R-A-N. RANEROU. OK. Voilà. Et Bac. Attends, non, Bakel. Bakel, Oui, c'est le lycée, Bakel, il y les en a deux trois collèges. On a déjà. OK. déjà deux. Et nouveaux entrants, tu as dit lycée de Fila, lycée de Niel et lycée de Rembouan. Lycée de Fila? Fila. Non? Non.
J'ai ça dans mon compte rendu. Nouveaux entrants, lycée de Niel, lycée Rembouan. Non, 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 non. Ça, je ne connais pas. Ça, non, ça, ils ne sont pas encore pris en charge. Moi, c'est les établissements. Oui, en fait, j'ai mis nouveaux entrants, ça veut dire des gens en attente. Non, 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 ça, ce n'est pas la peine de le mettre dans le procès verbal, je pense. Ah, d'accord, ok. Donc, je ne le précise pas. Voilà, donc moi, je fais pipi pour une minute, je reviens. Oui, oui, bien sûr. Excuse-moi. Non, pas de problème. Écoute, je vais me débrouiller Donc, avec je le compte disais, rendu. pour les Le compte rendu, établissements, normalement, c'est bon. est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît, les établissements que Oui, tu donc il y en as? a trois. Il y a trois établissements à Bakel, le lycée, les deux collèges, ensuite le collège de Ranérou. Le lycée de Cassac, département de Saint-Louis, le lycée de Toubatoul, ensuite le lycée Jules Sana de Kiès, le lycée de Rombol, le collège Non, et le lycée, même collège de établissement. Humboldt. Ce n'est pas le lycée de Humboldt, le collège de Humboldt. OK. Le collège de Humboldt. Alors ça, je corrige. Bon, bah, heureusement que tu vois, c'est important qu'on refasse le point parce que comme ça, il n'y a pas d'erreur après en compte rendu. Collège et lycée de Kounoun, ça, c'est le même établissement. Oui. Le lycée de Tienaba et le collège de Ranérou. Et le Donc collège. ça, attends, je regarde. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 établissements, c'est d'accord? D'accord, parce qu'il y a les deux lycées qu'on avait convoqués qui n'ont fait aucun signe, on ne va pas revenir vers eux. C'est le lycée de Humboldt, je pense. D'accord. OK. Et je ne suis pas sûr, moi, si le lycée de Kanaba était présent. Le lycée de Kanaba n'est pas présent. Bah écoute, pourtant, je sais pas, en fait, je me base juste sur les minutes. C'est pour ça qu'en fait, les réunions, si tu veux, elles sont enregistrées là. Donc, de toute façon, je vais te l'envoyer l'enregistrement, on le conserve. Comme ça, tu as les minutes et Non, tout non, non, ça. c'est pas, il n'était pas présent. Moi, je te dis qu'il n'était pas présent. Le lycée de Kenaba. Mais oui, tu les mets, tu les mets. Je ne sais pas, mais mets-les. Il vaut mieux qu'ils soient là. Oui, Oui, lycée de oui, oui. Kenaba, c'est bon. OK. Après, bah, tout est assez clair. Je vais reprendre ça et te l'envoyer très vite. J'essaie de l'envoyer dans la soirée, donc d'ici 2 heures. Là, il est 20 h. J'essaie d'envoyer ça à 22 h. Est-ce que tu peux me Mais. confirmer la date exacte de la caravane? Non, c'est non, parce que la date exacte de la caravane, ça va, c'est pas encore C'est en retenu. Il avril, pendant faut les qu'ils vacances donnent de la Pâques, date. mais tu avais donné une date à un moment, Voilà, non? c'est exactement ça. Mais c'est eux qui vont donner la date après. Et les Ah, donc, modalités pratiques de à un moment, organisation. tu n'as pas donné une date? Non, j'ai dit que c'est le vendredi, samedi, dimanche, un week-end pendant les fêtes de la jeunesse. Bon, Mais je n'ai écoute, je pas vais mettre donné de ça un date. vendredi, samedi et dimanche pendant les fêtes de la jeunesse Pendant de les... Pâques. Voilà. Alors, donc, il y a les trois lieux où ça. Il y a trois lieux. Donc, il y a le parc national. Non, il y a la Grande Muraille Verte Oui. et Est-ce le que tu Parc connais le national lieu où de ça va se Guilty. passer, enfin, ce qui est proposé? Non. Non, c'est dans Ranérou, la Grande Muraille Verte, simplement. Tu dis découverte de la Grande Muraille Verte, tout le monde s'est À localisé à la Ranérou, hein, Grande je mets Muraille entre Verte, c'est parenthèses Ranérou. Ranérou.
Non, mais ce n'est pas Ranerou. Oui, mais tu peux mettre à Ranerou. Vers Ranerou, quoi. Non, à Ranerou. Ah, c'est Ranerou, ok. Ah, ensuite, tu m'as dit il y a un Ranerou. parc national. Djou. Le parc national de Djoudj. Djoudj, D-J. Ouais. O-U. Oui. D-J. Ok. Et le Le troisième? parc national de Djoudj à Saint-Louis. Non, 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 c'est le seul. C'est le parc national de Djoudj à Donc, Saint-Louis. qui lui est à Saint-Louis. Donc, en fait, il y a deux sites, c'est ça. Il n'y a pas un troisième. Quand il se Non, non, retrouve le non, il n'y a que dimanche. deux sites. C'est la Grande Muraille Verte et le parc national de Djoudj. OK. Bon, bah, écoute, c'est parfait. Bah, moi, je crois que j'ai tout de mon côté. Donc, je fais le compte rendu. Et puis, on peut l'envoyer. Comme ça, il voit qu'il y a un suivi. Ça va mobiliser, si tu veux, Mais des moi, capacités ce que je d'entraînement. propose, avant de l'envoyer peut-être individuellement, tu peux l'envoyer dans le Oui, groupe bien sûr, bien Pluscourt. sûr. Bien sûr. Donc, c'est bon, hein? Tu peux, oui, si tu as comme tu as tous les mails, tu peux le renvoyer ça direct également. Et moi, je vais le transférer dans le groupe. Tu me l'envoies par WhatsApp et je vais le mettre dans le groupe Club UNESCO Sénégal. D'accord. Bon, bah, Oui. super. Bah, écoute, merci. Et bah écoute, je fais le compte rendu et je te l'envoie pour validation. Et si ça te va, on le balance. Merci beaucoup, Kevin. Ok, à plus T'as tard. vu, Arduma, heureusement, elle n'est pas venue. Hein. Bah, je sais pas, parce que tu l'avais invité ou pas? On l'avait invité, il avait décidé de venir. Après, il avait dit qu'Adam devait être là, mais Adam n'est pas là, c'est pas grave. Mais moi, je ne sais pas s'il était au courant de cette réunion-là. Est-ce que ce n'est pas la réunion plutôt du 3 mars? Arduma est au courant de cette réunion. Je te dis. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, écoute, ok, ça marche. Moi, je Ça travaille maintenant marche. sur le compte rendu pour qu'il y ait le moins de fautes possible. Donc, je me concentre à fond dessus et je te l'envoie dans Oui. quelques heures. J'essaie de Merci l'envoyer beaucoup, avant Kevin. 22 heures. On est ensemble. On est une équipe qui gagne. Efficace. Merci. Allez, merci, au revoir. À plus tard. Merci, à tout à l'heure. À plus tard, Kevin. Merci. Merci.